L'établissement public pour la restauration de Notre-Dame de Paris a été institué par la loi du 29 juillet 2019, après d'amples, d'approfondis débats au Parlement, pour piloter toutes les activités, les actions qui vont concourir à la restauration de la cathédrale. C'est-à-dire assurer la maîtrise d'ouvrage, assurer le financement, assurer l'administration et gérer le mécénat et assurer la médiation culturelle et la promotion des métiers d'art et d'artisans qui sont utiles à ce genre de chantier. Écoutez, la charpente, elle a complètement disparu au moment de l'incendie. Elle a brûlé, elle a été détruite. Et donc, le 9 juillet, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a validé les propositions de l'établissement public et du général Georges Lain et de l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve et son équipe, a validé les principes d'une restauration à l'identique et donc d'une restauration de la charpente en bois de chêne, des principes qui ont été validés par le président de la République, bien entendu. Cette année, le thème des Journées européennes du patrimoine, c'était apprentissage et patrimoine, un thème qui résonne avec le chantier. Et donc, il était important pour nous de mettre à l'honneur un métier. Nous sommes dit que nous devions mettre en avant cette année, à l'occasion des Journées du patrimoine, le métier de charpentier. Et c'est un grand plaisir de voir le public qui est venu nombreux, malgré le contexte sanitaire, découvrir ce métier, découvrir les reproductions d'éléments de la charpente et découvrir le travail fascinant. Aujourd'hui, des charpentiers sans frontières, des compagnons du devoir. Et je crois que le public a été saisi de découvrir cette charpente, de redécouvrir cette charpente disparue, au moins quelques éléments. Et on espère donner le goût à des jeunes de venir choisir ces métiers formidables. Moi, je suis frappé sur le chantier par l'enthousiasme, la fierté de tous nos compagnons qui viennent travailler pour la renaissance de Notre-Dame. La stratégie est très simple. Nous nous mettons au service de l'établissement public et surtout également des ACMH, des architectes en chef des monuments historiques, pour leur donner des idées, des moyens, des possibilités de faire. Donc depuis le début, nous sommes au service d'eux. On a toujours dit que nous avions les bois, les chênes en l'occurrence, en quantité suffisante, que les propriétaires étaient prêts à les offrir, que les scieurs étaient prêts à les scier, à scier les débits. On a un équivalent récent, hein, qui est le bateau l'Hermione, dont toute la charpente intérieure a été faite avec du chêne français. Pour l'Hermione, on a utilisé 1200 m3 de grumes. On considère que pour la charpente de Notre-Dame, c'est 2000 m3. Donc c'est du même ordre de grandeur. Voilà. Aujourd'hui, on a 3,8 millions d'hectares, on a 600 millions de m3 de stock de chêne. Il nous en faut 2000, il n'y a pas de sujet sur la ressource. Deux animations. Ce qu'on a derrière nous, c'est donc les répliques de la ferme numéro 7 de la Nef, réalisées à l'échelle 0,75 par les compagnons du Devoir et du Tour de France. Alors, en quelques mots, c'est une section de la charpente de la Nef, donc qui se situe entre la flèche et les beffrois, qu'on a reproduite à 75% de la taille réelle, en bois scié, sur un format pédagogique. Toute la structure a été taillée en formation dans nos ateliers à Gennevilliers, lors de formations CAP, BP ou POEC. Le but n'était pas de gagner du temps, le but était vraiment d'approfondir, permettre à chacun de trouver un petit peu sa place dans la formation et faire découvrir sur un chantier à échelle réelle, notamment le taillage du chêne, le patrimoine, etc. C'est pour inciter des jeunes en formation ou en reconversion professionnelle à vraiment s'intéresser à notre métier. Ce qui nous a fait bondir, c'est d'entendre qu'on n'avait plus les savoir-faire en France et peut-être qu'il faudrait aller chercher à l'autre bout du monde. Et à travers ça, on veut prouver que non seulement les savoir-faire, ils sont toujours en France, on les enseigne toujours, on les retransmet toujours. Et je dirais même au-delà de ça, on est toujours un peu chauvin, les Français, et bien le reste du monde pourrait peut-être venir aussi chez nous se former à nos savoir-faire. On a la chance d'avoir du bois, d'avoir du temps, d'avoir des événements pour présenter tout ça, des interlocuteurs. Et si on peut répondre en plus à des questions autour de la formation et faire de la promotion pour le bois français, autant y aller.
Le deuxième atelier, c'est mené par les Charpentiers sans frontières. Donc c'est une association de charpentiers bénévoles qui a refait avec les techniques de l'époque, c'est-à-dire la taille des débits, des poutres d'entrée, des arbalétriers à la main, à la hache, l'ensemble des pièces. Et là, cette fois-ci, la ferme est à l'échelle 1. Ça fait 14 mètres par à peu près 10,50 mètres de hauteur. Alors Charpentiers sans frontières, c'est donc une association que j'ai créée à partir de 1992 et qui réunit dans le monde entier plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui sont professionnels de la charpente. Le lendemain même de l'incendie, hein, le 16 avril 2019, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes collègues de l'inspection générale des monuments historiques. Et à ce moment-là, on a commencé à imaginer de proposer au moins la possibilité de restituer toute ou partie de la charpente telle qu'elle était à l'origine, puisqu'en fait, nous savons parfaitement le faire. Pourquoi reconstruire une ferme de Notre-Dame à la main? On a entendu plein de choses au lendemain de l'incendie sur le manque de savoir-faire, un supposé manque de savoir-faire, manque de matière, le temps nécessaire pour construire de tels ouvrages. Enfin, on a entendu plein de bêtises à ce sujet. Et donc nous, qui maîtrisons ces techniques de travail à la main, avons voulu prouver que c'est possible. Un, en combien de temps? Avec combien de personnes, de quelle manière, c'était d'amener des éléments concrets pour permettre l'analyse et la prise de décision aux architectes en charge de l'étude de la reconstruction. Pourquoi la ferme 7 c'est la version aboutie des fermes qui ont été conçues et qui ont évolué. Les premières fermes très primitives ne fonctionnaient pas bien, elles ont montré des désordres et les charpentiers à l'époque les ont fait évoluer. Depuis les premières jusqu'à la 7, elles ont évolué. Et la numéro 7, elle est au point, elle fonctionne, et c'est celle qu'ils vont dupliquer ensuite pour le reste de la cathédrale. Donc c'est celle qu'on a choisi de reproduire, parce que c'est la plus ancienne qui fonctionne. L'accueil du public, on l'avait imaginé, et c'est pour ça que là, par contre, on a beaucoup travaillé avec l'établissement public pour les convaincre de faire cet événement, parce que nous savions que nous pouvions montrer des choses hyper intéressantes. Les discussions que l'on a ici aujourd'hui montrent que tout le monde est intéressé. Peu de gens finalement connaissent, et c'est tout l'intérêt d'une manifestation de ce type, de faire connaître à la fois le bois et ce qu'on peut en faire, et surtout, là maintenant, les gens vont de nouveau imaginer, autrement qu'avec des flammes, ce qu'était la charpente de Notre-Dame de Paris.